On se sent un peu stigmatisé quand même. On n'est pas les bienvenus. Je vais te casser ta Tesla. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, lâche. On va ranger le pain derrière. C'est discret, hein. Ah, le pain odorant. Mmh. Mon ambition, c'est de m'affranchir des énergies fossiles le plus possible. Amis voyageurs, bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à un autre type de véhicule itinérant, une teardrop tractée par une Tesla, donc un véhicule électrique. Alors, est-ce que c'est plus compliqué de voyager avec ce type de véhicule qui est un attelage qui fait plus de 8 mètres de long? On va parler conduite, manœuvre, autonomie, stationnement, et puis aussi de la mauvaise image qu'il peut y avoir parfois quand on a ce type de véhicule, donc des caravanes. Et on voit ça tout de suite avec Annie et Christophe, leur premier road trip avec ce type de véhicule. Et quel hasard, ils sont juste derrière nous. Christophe, tu peux sortir. Il n'était pas du tout au courant qu'on arrivait. Bah, hein, pas du tout. Là, je vous regardais sur YouTube et puis boum. On est sorti du cadre. Magie. C'est la magie de YouTube. Ouais, c'est ça. Lassé par les vacances classiques qui leur faisaient emprunter les autoroutes françaises, ce couple belge a fait le choix d'évoluer vers un mode de voyage plus lent et surtout moins rythmé par les impératifs. Avec leur mini-caravane teardrop de 650 kg, de 2,50 m de long pour 1,50 m de large et moins de 2 mètres de haut, ils peuvent désormais emprunter les itinéraires de traverse et faire étape. On va le voir à peu près où ils veulent. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter, à nous, et puis aux abonnés, la teardrop qui est juste derrière nous? C'est une teardrop de marque Lifestyle Camper. C'est fabriqué en Ukraine. On l'a acheté en Belgique. C'est un véhicule de stock. On n'a pas choisi les options, etc. Pour un véhicule qui a l'ambition de faire du bivouac, etc. C'est du bivouac de luxe, quoi. C'est deux personnes max. Mais quand même, le toit peut supporter jusqu'à 300 kg. Donc on peut mettre une tente de toit et encore deux personnes au-dessus. Ça, c'est la cuisine, donc... Voilà, quand on roule, ce truc est fermé. À l'arrière, on a accès à tout le confort moderne. Aux bières déjà entamées. Et les bières, regarde, hein, c'est pas mal, hein, ça, c'est... Les verres corporate, c'est du placement de produit. Donc ici, on a un frigo. Alors là, le truc, il est assez basique, hein. C'est un bête frigo, c'est une glacière, donc ça pompe pas mal de courant. On a l'évier, on a un réservoir d'eau de 50 litres, d'eau froide, forcément. Toute cette eau que tu utilises pour la vaisselle, tu l'as récupérée dans un bidon. Voilà, même si on n'utilise que des produits qui sont compatibles avec la nature, etc. On a le gaz qui est stocké devant, et puis qui est relié ici à la petite cuisinière. Et puis on a un tas d'armoires. Bon, on a tout le rangement qu'il faut, petit tiroir avec les couverts, tu vois. Comme voilà. À la maison en compact. D'ailleurs, il faut bien trier avant de partir parce que sinon on déborde vite, quoi. Ça, c'est le problème. Ici, tu as la partie cuisine, donc on vit dehors. On vit dehors, donc heureusement on a le vent qui est là. Mais bon, si ça chasse, etc., on n'a pas les cloisons. Ça, c'est encore un truc qu'on doit acheter. On parlera de la partie travail juste après. Oui, la partie travail, ça c'est. Voilà l'intérieur. Bienvenue chez nous. C'est un vrai lit avec tout le confort moderne. 1m40 sur 2m, qui est quand même confortable. C'est un vrai matelas. On a un sommier, des petites prises pour charger les smartphones, la radio, avec la possibilité de mettre du son et à l'intérieur et à l'extérieur dans la cuisine. On peut moduler avec le fader. C'est propre, c'est relativement bien isolé. On a déjà été dans des températures pas négatives, mais genre 2-3 degrés. Quand on rentre dedans, c'est un peu froid. Puis avec les corps, voilà, ça chauffe vite et monte pas à 20 degrés, hein, mais on est sous les couettes et voilà, c'est confortable, c'est cosy. C'est pas claustro, bizarrement, malgré la taille. Après, on peut ouvrir les fenêtres, les trucs, vas-y, star, il y en a de l'air. Est-ce que tu peux aménager autrement qu'en lit, ou ça, c'est vraiment la teardrop telle qu'elle est? On pourrait imaginer qu'on vire le matelas et le sommier et qu'on fasse un système un peu comme dans le camping-car ou dans les vannes aménagées avec des coussins qu'on peut moduler. On pourrait imaginer d'avoir une assise ici et une petite table là et se dire qu'on s'assied à deux. À l'intérieur, tu vois, on a cette tablette, on la déclipse. Hop. Yeah, hop, ça c'est une tablette et ça nous permet d'avoir une cuisine en L. Et là, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bivouaqueurs. Trop bien. Voilà. Tiens. Ah, merci. Voilà. Allez, nouveau placement de produit. Voilà, encore du placement de produit. Santé. Pour retrouver tous nos goodies made in France, c'est sur le Périshop. L'adresse s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous, votre objectif, c'est finalement de vivre dehors, en fait. Parce que vous avez vraiment la teardrop avec le lit, la cuisine à l'intérieur et après un espace extérieur. Exactement. Il faut faire des compromis. Et donc, vivre dehors, quoi. Et donc, vivre dehors. Si on prend un peu en sens casser la avec binette. Nous, on avec nous. Là, on est à l'abri de la pluie. Malheureusement, on a besoin de travailler pour payer le camper. En parlant travail, Pauline, ça va te plaire, je vois qu'il y a la Starlink d'Elon Musk dans le jardin. Et pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que Pauline n'est pas fan. Du personnage. Je n'ai rien contre Tesla, je suis pas fan d'Elon Musk. Après, mais oui, mais on va en parler, après, et, on va en parler et on va se quitter. Il va faire du lobbying, voilà, et ça va bien se passer. Mon métier nécessite parfois de traiter des fichiers qui sont relativement lourds. Tu es graphiste, hein, faut voilà, préciser. Voilà, je suis graphiste, je dois pouvoir réagir rapidement, envoyer des choses à gauche, à droite pour les clients. Donc la solution Starlink, c'était la meilleure en fait. Hein. En plus, ils ont une formule qui est réservée aux véhicules
de loisirs, ça veut dire que c'est disponible partout en Europe, quoi. Ouais. Je crois que j'ai accès au monde entier avec ça. C'est quand même le top, quoi. Et alors, avec des vitesses qui sont incroyables, du moment qu'on a un accès sur le ciel, donc il n'y a pas d'arbres, etc., au milieu d'une forêt, ça ne marchera pas. Je montre juste comment ça se passe. Il y a cette base qui est là, qui envoie le Wi-Fi, et que tu as connecté jusqu'ici. Hop. Et ça, c'est ton signal. Voilà. À cette antenne, là. Donc, petit désavantage, ça prend quand même de la place, ouais. Ça se plie, mais ça tient dans cette, voilà. Dans cette valise qui est là. C'est quand même un sac à dos, hein. Mais je veux dire, si on randonne avec ça, on randonne qu'avec ça, quoi. Il n'est pas question de prendre sa cuisinière et tout le bazar avec. Donc, c'est pas donné, mais rien que le fait que ça m'offre la possibilité de bosser, bah, c'est vite remboursé, quoi. Hein. Et on peut aussi streamer des vidéos. Ouais. Regarder des vidéos périplessies, par exemple. Par exemple, très bonne idée. Au hasard. C'est toujours un petit peu compliqué avec ce type de véhicule parce que finalement, il est en deux parties. Pour terminer sur la partie caravane, qu'est-ce qu'elle a dedans justement pour t'offrir une autonomie pour travailler, pour manger, pour faire la cuisine, etc. Quelle est l'autonomie déjà électrique et après autonomie pour se doucher, pour aller aux toilettes, etc. Il faut accepter d'avoir une vie simple. Il y a un panneau solaire là qui alimente la batterie d'origine, qui est une batterie au plomb 90 ampères. C'est pas top, ça c'est un des trucs aussi que je devrais remplacer. Parce que si on allume le frigo, on tue la batterie très rapidement. Il faudrait un autre type de frigo, à compression peut-être, c'est plus économe. Puis le panneau, c'est un 100 watts, donc quand il y a de la lumière, ça marche. Mais quand il n'y a rien, il n'y a rien. Donc pour recharger ta batterie, tu as le panneau solaire. On a tu la peux connexion. Brancher aussi, voilà. Comme on peut, sur un on véhicule. Peut se brancher. Donc on a notre prise bleue qui nous permet après de nous brancher ici sur le camper. À ce moment-là, on est sur le réseau et ça recharge la batterie, ça alimente les prises. On a des prises de 120 volts aussi. Hein. Tu peux switcher en 220 volts voilà, du moment que tu es sur le réseau. Du moment qu'on a ça. Et si on est totalement off-grid, parce que c'est aussi un peu le but, quoi. Hein. À ce moment-là, on a investi dans des batteries. On a notamment la célèbre EcoFlow Delta Pro hein, qu'on voit partout. C'est dommage qu'il... Ce qui nous fait des placements de produits et tout. Ouais, d'ailleurs, il est très tech. Il serait bien de m'envoyer une batterie, hein, parce que je la vends bien quand même, leur batterie. Notre ami Christophe est très tech. Hein. Ah, très ouais, tech. Ouais. 5% de réduction avec le code péripétie, bien sûr. Ah ouais, stop pub, merde, c'est vrai. Ouais. Voilà, chez Decathlon, on a trouvé ce truc-là. On l'a pas encore testé. Ça nous permet de le déposer sur le toit du camper. En fait, ça marche vraiment bien hein, quand ça chauffe, quand il y a du soleil qui tape dessus. Même avec un temps comme ça, ça peut chauffer. Hein. C'est ce que tu as pour la douche ou tu as aussi de non, quoi alors de... on a un truc, il y a un truc à intégrer dans le camper. Ouais. Ouais. Donc on a, hop, ah ouais. On a ça c'est livré avec. Les gens rigolent quand ils donnent ça parce qu'ils se disent ils vont bien cailler. On alimente la pompe, on branche. Voilà. C'est pas belle là, oui. Bon, on arrête parce qu'on a que 50 litres. Doucement. Alors ça, c'est la partie haut et la partie qu'on se pose tous. Voilà, oui. C'est la question. De toute façon, si on ne la pose pas, tout le monde la pose. Hein. Donc on va la poser. Ouais. Les toilettes. Alors, les toilettes. Bon, sur le site ici, c'est équipé. Enfin, voilà, on a un truc un peu sommaire là, mais voilà, on nous reçoit là, il y a une toilette sèche. Voilà. Quand il fait très froid, qu'on n'a pas envie d'aller jusque là, etc. On est équipé d'une toilette sèche, nous aussi, avec de la litière. Alors, elle est où ? Notre toilette, c'est simplement un... Voilà, il faut vous faire une démo. À complète. Bon, donc on met un sac biodégradable dedans, donc on met de la sciure. Et... De toute façon, si vous savez pas comment fonctionnent les toilettes sèches, on a une vidéo spéciale qu'on a faite il y a pas si longtemps ça, donc on vous invite à la regarder, c'est par ici. Oui, parce qu'on a remplacé nos toilettes chimiques qui étaient là. Par des toilettes sèches également, donc trop plus tard. Et là, c'est un dernier détail, parce qu'une fois que c'est rempli, il faut... Eh oui. Hop. Oh, vous avez une pelle de compétition. Ah bah oui, attends, c'est pas une Tesla. Ah oui. Tu veux que je vais comparer notre pelle? Ouais. C'est pas une pelle, c'est un marteau piqueur. Ah oui, ok, je creuse plus vite. Hein. Alors toi, je prends soin toujours de bien la nettoyer après. Mais nous, c'est de la boue. Hein. C'est de la terre. Hein. Tu me rassures. Avant qu'on passe à la partie voiture électrique Tesla, eh bien, il nous manque la question qu'on se pose aussi, le prix de ce beau joujou. Tel quel, équipé comme il est, puisqu'on l'a pris de stock, on l'a payé 27 000 euros. Donc c'est pas un tout petit budget, mais voilà. 27 000, c'est presque le prix d'une caravane Ah bah oui, j'ai vu des caravanes grand format qui étaient moins chères que ça. Qui est miniaturisée, coûte plus cher, j'en sais rien, mais bon. Ce qu'on disait un peu hors caméra, c'est qu'il y a aussi une certaine ingéniosité qui est développée pour faire rentrer quelque chose de compact dans si petit, avoir quelque chose de très fonctionnel. Ouais, tu dois expliquer un petit peu, outre la mode, le prix, je pense. Bon, j'y reprends la main parce que là, on va pas aller mécanique, joint de culasse. On va parler batterie électrique et autonomie surtout. Quel modèle de la voiture ? Donc ça, c'est une Tesla Model X. Voilà. Assez longue, hein ? Ouais.
On peut se coucher à quatre dedans. En fait, non. C'est une version 6 places. Ça veut dire que c'est 2 sièges à l'avant, forcément, comme dans toutes les voitures, mais 2 sièges à l'arrière et pas une banquette. Donc, on peut pas la rabattre. Alors, montre-nous parce que ça fait son effet. Ah ouais, ça. J'ai acheté que pour ça. Les fameuses portes Falcon. Il y a quand même de l'espace pour charger des bagages, mais pour dormir dedans, c'était pas possible. C'est trop petit. Ah oui, on est bien assis, hein. Ouais. Alors ouais, c'est pour voyager, c'est un vrai bonheur. Hein. L'écran c'est super énorme. Confortable. C'est super confortable, ça roule bien, il y a de la puissance en suffisance, donc le camper, je le sens pas. Pourtant, je roule maximum 110, grand maximum quand je fais un dépassement, sinon ma vitesse moyenne, c'est plutôt 100 à l'heure. J'ai remarqué qu'à 95, on était vraiment efficace en termes de vitesse et de consommation d'énergie. C'est justement la question qu'on se pose tous. Moi, le premier, c'est alors combien de kilomètres on peut faire avec ce type de voiture et quelles difficultés on a à charger, à anticiper les déplacements, quoi. On a quand même beaucoup de chance avec Tesla, c'est que le réseau de supercharger de la marque Tesla est extrêmement bien développé. Je crois que Christophe aime bien Tesla. Oui. Le nombre de chargeurs dans tout ce qui est rouge est accessible sans charge. Donc on va partout en Europe, du nord au sud, d'est en ouest. Ah oui, le réseau donc est super étendu. Voilà, c'est très facile. Finalement, il n'y a pas vraiment d'angoisse d'autonomie, sauf quand on va dans le Morvan. Là, on est dans le Morvan et il nous a dit il y a pas de charge. Ouais. Ici, c'est un trou en France. Voilà. Mais bon, si je peux pas charger sur un superchargeur Tesla, je charge sur une simple prise de courant, quoi. Ouais. Simplement, ça va moins vite, mais finalement, moi, mon véhicule, il est à l'arrêt, là, on n'en fait rien. Mais s'il charge, il biberonne tout doucement son énergie et le lendemain, je pars et je suis full et il n'y a aucun souci, quoi. Alors, combien de temps pour charger sur une station Tesla et ça te fait faire combien de kilomètres? Alors, moi, je fais des étapes de 200-250 km. Après, il faut que je fasse une petite pause, un café ou un truc comme ça. Ça me permet de naviguer entre 20-80% de batterie et je récupère cette autonomie-là en 20-25 minutes. D'accord. C'est pas pour rien qu'on les appelle les superchargers. Ouais. Parce qu'ils superchargent la voiture. Sans le camper, on va dire, j'ai une consommation en été entre 21-22 kWh au 100. Et puis avec le camper, là, je monte entre 30-32 kWh au 100. Un peu moins du double. Si je roule à Eco, on va dire qu'il a entre 400-450 km d'autonomie. Donc tu parles d'un temps de charge de 20 à 30 minutes. Alors ça, c'est spécifique aux bornes superchargeurs. Il faut savoir que toutes les bornes ne fonctionnent pas forcément comme ça. Il y a des bornes plus classiques ou à la maison. Et ça, combien de temps ça prend? C'est qu'on a un pack de 100 kWh de disponible ici. Après, la charge, elle est pas constante. Hein. Donc, c'est une sorte de parabole. Hein. C'est-à-dire que ça accélère très vite, ça plafonne peu de temps et puis ça descend très vite. 90-100%, il va prendre presque autant de temps que le 20-80. Donc, si je charge chez moi à la maison, j'ai une borne, elle est réglée sur 7 kW de puissance. Je rentre le soir et le lendemain matin, elle est full, quoi. Combien ça coûte de charger? Comment ça fonctionne avec les superchargeurs et les autres pleins? Alors, moi, j'ai une grande chance. C'est que comme je fais partie des premiers clients de Tesla, ma charge est gratuite. Ça veut dire que moi, ça me coûte zéro. Mais aujourd'hui, on peut plus acheter une Tesla avec une supercharge gratuite. Je dirais qu'on est entre 40 et 50 centimes le kilowattheure sur le réseau Tesla, donc en super rapide. Si on va, par exemple, sur les aires de service en France, ça peut parfois monter à très cher parce que simplement, les pétroliers ont pas envie de se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc, ils vont pas vendre l'énergie vraiment bon marché alors que leur pétrole, voilà. Genre 1 € le kilowattheure, ça, c'est le plus cher que j'ai vu. Bon, donc, c'est des bornes à éviter, évidemment. Entre mais 50 sinon, et 100 € le plein. Ouais, 100 €, c'est vraiment, normalement, il n'y a personne qui cherche. C'est vraiment, il faut vraiment être dans la mouise, dire j'ai besoin absolument. Et encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire un plein. On va charger simplement de quoi arriver à un chargeur qui est plus raisonnable, quoi. Il y a encore plein d'opportunités de recharge gratuite. C'est pas un modèle qui est viable sur le long terme. Enfin, voilà, ça existe encore. C'est pour ça que parfois, c'est un peu bête d'attendre la dernière minute pour passer à l'électrique parce que tous les gros avantages du véhicule électrique, c'est maintenant, quoi. Après, forcément, ça va diminuer, même que ce soit les taxes ou le prix de l'énergie qui est défiscalisé, évidemment. Les subventions en France, nous, on n'a pas ça. En Belgique, hein, nous, on paye plein pot, quoi. Donc, mais on a quand même des avantages fiscaux, de déductibilité, de rabattement. Le système permet quand même de faire des grosses économies à l'usage. À l'achat, ça reste quand même toujours un véhicule, surtout celui-ci qui est plus cher que son équivalent thermique. Donc, c'est combien en moyenne un véhicule électrique, un véhicule Tesla? Ça commence pour la Model 3, je dirais, à genre 40 000 euros. Et la toute dernière Model X Plaid, je crois qu'elle est à 130, 140 000. Donc, ce véhicule-ci, il a coûté 92 000 euros. 92 000 euros. On mettra les sous-titres. Non, je rigole. Comme il n'y a pas d'entretien, fiabilité, c'est un moteur électrique, c'est tellement simple que ça casse pas, quoi. Bon, le TCO, comme on dit, le Total Cost of Ownership, sur 4 ans, ça me coûte moins cher que le véhicule que j'avais avant qui coûtait la moitié du prix, quoi. Tu nous montres le moteur? Oh, oui, c'est ça. Pour les gros bras, ça. Alors là, il va falloir se mettre les mains dans le cambouis, hein. Ah oui, bah. Ah bah ouais. C'est ton truc, ça. Là, c'est un truc de mec. Un truc de béton, là. Allez, vas-y. Et hop.
Voilà le moteur. Il faut vidanger ça. Ça pompe, hein. Ça pompe énormément. Malgré les apparences. Il y a deux moteurs. Ouais. Et donc, il y en a un sur l'essieu avant. C'est pas très grand. Et il y en a un second sur l'essieu à l'arrière. Voilà, ce qu'on appelle un cap T2. Ça, ça nous sert à aller sur les bornes publiques. Ça fait partie du kit du parfait voyageur en voiture électrique. Et qu'est-ce que tu peux faire en chargeant ta Tesla aussi? C'est le plus important. Hein. Ah bah, c'est de regarder la chaîne mondialement connue des Périplessis. Vraiment très bonne idée. Voilà, ça, c'est intégré de base, hein, bien sûr. Oui, ouais, ça, c'est de base. Ouais. Ah bah, toutes les voitures Tesla ont la chaîne Périplessis intégrée, c'est sûr. Alors, en parlant d'Internet, je prends une minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. Ne quittez pas, ça va durer juste une minute, vous allez rater la suite. C'est un logiciel qui vous permet de naviguer sur Internet en protégeant vos données et votre sécurité. Si vous utilisez, par exemple, Internet pour le travail, pour faire vos achats ou pour naviguer pour le loisir, par exemple, vous exposez vos données personnelles, telles que vos mots de passe. Avec NordVPN, vous pouvez avoir accès à des milliers de serveurs partout dans le monde et vous connecter à une adresse IP à l'étranger. Ça rend votre navigation anonyme, bien sûr, et du coup, ça vous protège des pirates et de la cybercriminalité. En plus du chiffrement des données, bah, vous pouvez avoir accès à d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire accéder par exemple à des contenus qui sont bloqués dans certains pays en raison des restrictions données par les diffuseurs ou par les gouvernements. Donc ça vous permet par exemple d'accéder à un catalogue Netflix ou des compétitions sportives, des documentaires, des films qui ne sont pas accessibles dans votre pays. Alors vous le savez, NordVPN offre des réductions régulièrement pour tester ses services. Celle du moment, elle s'affiche juste en bas de l'écran et vous la retrouver dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Bon, les péripodes, c'est l'heure d'aller chercher son petit déjeuner à la boulangerie en Tesla. Je vais essayer, t'as confiance quand même, Christophe? À fond. Surtout pas le pied gauche sur la pédale de frein. Ah ouais, parce que sinon on va voler dans le pare-brise. ça promet. Ah oui, c'est tout doux. Hein. Chut, c'est silencieux. Même dans les champs, c'est fluide. Alors, on va aller chercher une boulangerie. Ok, 5 km. J'espère qu'on a assez d'autonomie. C'est ça le truc. Est-ce que tu l'as bien rechargé? Normalement, c'est bon. Je vois que tu n'es pas attaché, Christophe, sur mon tableau de bord. Oui, ça a envie de sonner d'ailleurs. Mais je vais quand même essayer l'accélérateur. Parce qu'il paraît que ça envoie. Hein. Là, c'est impressionnant la puissance. Donc, c'est de 0 à 100, 4 secondes 6. C'est un peu plus que Swingy. Hein. Alors là, petit village. Donc là, on voulait tester la conduite automatique. Ouais, l'autopilote. Et après, il va falloir oser enlever les pieds des pédales et les mains du volant. Les mains? Enfin, c'est-à-dire que non. Normalement, la législation nous impose de garder les mains sur le volant. Mais bon, si on veut tester, tu peux maintenant lâcher les mains du volant. Vraiment? Ouais. Non, tu l'as désactivé deux fois vers toi. Mais... et tu touches plus le volant. Non, t'as touché. C'est impossible. En plus, il y a des travaux juste devant. Deux fois vers toi. Et je lâche. Voilà, lâche. Et la vitesse, du coup, c'est lui qui gère. Ouais, c'est lui qui gère la vitesse. C'est vrai. Donc il va se rapprocher du véhicule. Là, il va freiner, là. Là, il va freiner, ouais. Oh là là, non, c'est flippant. Il va faire une tête. Donc là, il calcule distance devant, il s'autorégule. C'est une question d'habitude, hein, mais une fois qu'on a le truc, on s'en passe plus. On va ranger le pain derrière. C'est important. C'est discret, hein. Hein. Et on va lui mettre sa ceinture. Oui. Il a même la casquette, bien entendu. Ah ouais, ça. Allez, petites impressions à chaud. La voiture invite quand même à une conduite assez souple, tranquille. Moi qui aime bien l'éco-conduite, je trouve que c'est assez parfait. En tout cas, on a discuté avec Christophe parce que ce qu'il y a derrière, c'est voiture intelligente, voiture partagée, voiture autonome. Alors c'est quelque chose qui commence à pas mal se développer aux États-Unis. En Europe, on en est très très loin parce qu'il y a pas mal de législation. Par exemple, là, on peut pas laisser les mains hors du volant plus de 15 secondes. Tesla, cette marque aimerait bien développer ce modèle de voiture, et donc il y a encore pas mal de barrières. Heureusement ou non, ça, chacun en pense qu'on en veut. En tout cas, c'est intéressant de voir ce que pourra ressembler la conduite et les véhicules du futur. Et les véhicules de loisirs. En tout cas, merci messieurs pour les croissants zéro carbone. Il est désormais temps de savoir pourquoi Christophe, fan absolu de la marque Tesla, vous l'aurez compris, a choisi ce type de monture pour ses voyages. Alors ça, c'est le P vérifié, parce que maintenant qu'il a racheté Twitter, tu vois, alors tu peux changer le type de P, le Glaude. Court et super. Efficace. Ouais, mais celui-là, il laisse des traces. Hein. Est-ce que c'est parce que les gens qui ont une Tesla se la pètent? Ah, le pain odorant. Mmh. Ouais, on sent. Enfin, on sent pas, mais...
Mais c'est essentiel, hein, si tu as pas ça dans ta voiture, mais c'est oui, pas de voiture. Oui, comment, mais comment on peut faire sans, c'est ça que je me demande. Mais pourquoi plus une teardrop, donc ce type de véhicule, tracté par un véhicule qui est à particulier parce que c'est un véhicule électrique, plutôt qu'un fourgon ou qu'un camping-car? Moi, j'ai une ambition qui est de m'affranchir des énergies fossiles le plus rapidement possible. Il n'y a pas d'alternative qui existe, qui soit viable, qui fonctionne correctement, etc. Camping-car, ça n'existe pas. Ça va exister un jour, mais ça ne l'est pas encore. Le van, c'est vrai, il y a l'ID Buzz, mais il n'est pas efficient. Voilà, ça va être plus de contraintes qu'autre chose. Il n'a pas été conçu par Tesla. Donc, il n'y avait pas d'autre solution que ça, en fait. Si je veux voyager en électrique, on avait ce besoin de mobilité. Quelque chose de léger, de maniable, que je peux tirer avec le véhicule électrique sans trop impacter l'autonomie, évidemment. Donc, plus c'est lourd. Voilà, plus c'est lourd, plus ça consomme. Plus le volume est là, plus l'aérodynamisme est impacté, et donc la consommation, etc. Quand on voyage, du moins, en camping-car, en caravane, on cherche quand même à ne pas avoir de contraintes. Ça vous oblige quand même, avec Annie, à adapter aussi votre itinéraire en fonction de là où vous allez pour pouvoir recharger le véhicule. Bon, mon carburant, il est... Je vais te casser ta Tesla. Elle a repris le contrôle. Mais c'est très intéressant. Mon carburant, il est électrique, en fait. Ouais. La concession, elle est tellement faible et j'y pense plus vraiment. Simplement, ça fait partie de mes habitudes que quand je voyage, je suis à Waterloo et je veux aller à Barcelone et c'est la voiture qui va me dire, il va falloir s'arrêter là 10 minutes, là 5 minutes, là 25 minutes. Tout est planifié, donc c'est extrêmement simple. Donc, on n'y fait pas trop attention. Quand on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, c'est normal, on s'angoisse en se disant, on ne va pas y arriver parce qu'on n'a pas... Il faut changer les habitudes. Ouais. Ouais, il faut changer les habitudes. Puis surtout, on n'arrive pas à concrétiser ce que représente 100 kWh d'énergie. On est repassé à l'arrière et on est repassé à l'apéro aussi. Le stationnement, comment ça se passe concrètement, puis l'image un peu négative qu'il peut y avoir. Ça fait quand même 8 mètres de long. J'imagine que vous n'avez pas forcément la même flexibilité qu'avec n'importe quel autre véhicule. Ça, en effet, c'est moins confortable que si on avait Swingy. Moins confortable dans le sens où ça nécessite de faire gaffe quand on rentre dans une ville et qu'on prend des rues un peu étroites, il faut voir qu'on n'accroche rien. Quand on tourne à droite, il faut quand même bien se déporter sur la gauche pour éviter d'accrocher une bordure ou voir un véhicule. Ça demande un peu d'expérience. Et puis surtout, ça nécessite une petite formation quand même. Au début, moi, j'avais jamais rien tracté. Donc, la première marche arrière, on s'en souvient. Donc, moi, j'avais décidé de prendre des cours d'auto-école pour apprendre à manier la caravane, même si c'est pas nécessaire par rapport au poids du camper. Évidemment, moi, je peux pas me mettre de travers vu la longueur du train complet et bloquer 5 bornes et me dire, je me casse pas la tête, je me branche et je bloque 5 bornes. Ça ne va pas, on ne fait pas ça. Je dois à chaque fois désatteler, trouver un endroit où le ranger, me parquer, pas trop loin que je l'ai quand même à vue, histoire qu'on me le pique pas quand même. Puis le désatteler, aller me charger et puis aller réatteler ensuite. Pour voyager, pour être en camping-car, on cherche où dormir la nuit. Et c'est vrai que pour les caravanes, c'est des fois pas évident. Alors vous, qu'est-ce que vous privilégiez comme endroit pour passer la nuit? Où c'est que vous trouvez vos spots et comment vous les trouvez sur... Les classiques applications, par Fortnite, Home Camper, qui était trouvé par ici. Avec les connexions internet qu'on a, à Google Maps, ça nous permet de zoomer sur le spot, voir quel est l'accès, si c'est pas trop compliqué pour rentrer, pour sortir, pour faire demi-tour, etc. C'est une contrainte qu'on a, c'est qu'il faut qu'on sélectionne le spot en fonction de la manœuvrabilité qui est disponible sur le site, on va dire. Là, c'était votre premier grand road trip, on va dire, en France. Vous êtes allé jusque dans le sud de la France. Est-ce que c'était aussi facile que vous imaginiez ou est-ce que vous avez eu des difficultés? C'était plus facile que ce que je n'imaginais, tout simplement parce que je commence à prendre de l'assurance à conduire avec le camper derrière moi, quoi. On s'est jamais retrouvé dans une situation où on était bloqué, ça nous est pas encore arrivé, mais en même temps, on n'a pas 500 000 km d'expérience, donc ça nous arrivera peut-être un jour. On est peut-être moins aventureux aussi que d'autres qui, en camping-car, ont plus facile au niveau de la manœuvre. Nous, c'est une contrainte. Nous, on cherche, ça fait partie des critères quand on sélectionne un spot, c'est vraiment qu'on se complique pas trop la vie, quoi. Alors peut-être qu'on passe à côté de super spots, etc. Sur des aires de service, par exemple, quand on en trouve pour les camping-cars ou pour les fourgons, vous êtes les bienvenus. Ah ben non. Ouais, ça va être un peu le... Non, on n'est pas les bienvenus, c'est ça un peu le problème, quoi. J'ai eu l'occasion de discuter avec une association en Belgique où ils ont défendu les droits des camping-caristes par rapport à la taxe de circulation. Et bon, on sent bien que, il me sort des articles de loi en disant, mais vous n'avez pas le droit et trucs, machin. Et puis après, vous prenez deux places avec votre véhicule, mais bon, mon véhicule, je peux l'enlever, aller le garer ailleurs, etc. Et puis, on n'est pas là pour passer deux semaines de vacances, on est là pour passer une nuit. On n'est pas les bienvenus, et même sur Park4Night,
j'avais posté une image du spot où on était pour donner mon avis. Ben, c'est bien, c'est confortable et tout, c'est chouette. Et même Park 4Night a viré ma photo parce que c'était pas le bon véhicule, quoi. Donc, ouais, on se sent un peu stigmatisé quand même quand on est avec ce qui est considéré comme une caravane. On se demande d'ailleurs pourquoi, en fait. Est-ce que, avec cette expérience que vous avez eue, vous avez une petite idée de qu'est-ce qui rend les choses difficiles ? Je pense qu'il y a deux choses. La première, je crois que c'est un peu la mauvaise réputation des gens du voyage. La deuxième, qui pourrait être compréhensible, c'est le manque d'autonomie. Alors que dans une grosse caravane, ils sont 100% autonomes, comme dans un camping-car. Hein. Exact. C'est-à-dire qu'ils peuvent stocker les eaux grises, leurs toilettes, les cassettes et compagnie. Donc, ils sont 100% autonomes. Nous, on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on pourrait, même si on récupère l'eau grise dans un réservoir, on pourrait, c'est vrai, verser tout sur le site où on se trouve, jeter les papiers, la toilette sèche entre les pieds de vigne. Ce que vous faites bien volontiers, quoi. Bah, évidemment, on fait que ça, d'ailleurs. On cherche des pieds de vigne et puis après, on s'installe entre les et on jette les papiers juste pour se marrer. Ceci est de l'humour belge. Mais on John Olfric qu'une fois, hein, une seule fois. Mais du coup, ils sont quand même moins pointilleux sur les vannes et sur les tentes de toit que sur les caravanes, alors que le problème est le même. Un van aménagé type Volkswagen Transporter, un truc comme ça. Bien sûr, les anciens modèles de T1, T2, ils n'ont pas forcément... Exactement, donc ils ont les mêmes problèmes, entre guillemets, que nous. Et pourtant, ils sont quand même plutôt bienvenus sur des spots tels que tu peux en trouver sur Park 4Night ou même sur des aires de service pour camping-car. C'est une thématique qui est quand même assez... Moi, je vois ça vraiment pour une question de culture qu'on a et cette vision, effectivement, qu'on a de la caravane. Le seul truc... C'est vraiment la longueur effectivement de l'attelage qui peut effectivement te dire je vais prendre de la place. Mais d'un autre côté, avec Simon, on était en Allemagne la dernière fois, on a vu que tu as des Morello qui font 10 mètres de long et ils sont les bienvenus sur les aires de service. Et malgré tout, donc on est en train de constater ça, mais vous arrivez quand même à, pour l'instant, sur cette première expérience. Oui, à chaque fois on a trouvé simplement sur Home Camper, on peut filtrer, voir où les caravanes sont les bienvenues. Puis il y a des sites où tu vois que les caravanes sont pas les bienvenues, c'est marqué clairement et il n'y a pas d'explication, enfin je veux dire, qu'une raison pratique, tu vois bien que le site, il est aussi grand que celui-ci. Je pense que là, le vrai problème, c'est la peur de voir débouler 50 caravanes. Je crois que c'est ça le problème. Pour être complet sur le sujet des stationnements, on nous pose souvent la question, avec France Passion, un réseau dont on vous parle souvent, savoir si les caravanes sont acceptées. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. J'ai même plus que testé, puisque j'ai simplement discuté avec France Passion, et donc c'était un non catégorique. Quelle est la raison avancée? La première raison avancée par France Passion, c'est vraiment le 100% autonome. Mais j'imagine que il n'y a pas que ça en fait, mais bon voilà, j'ai expliqué à quel point on était des gens respectueux, bien élevés, éduqués, etc. Je leur ai même proposé de mettre à jour leur système de réservation avec un système de notation, de sorte que si on arrive sur un site et qu'on n'est pas respectueux du site, que la personne qui accueille puisse dire attention, ces gens là ça ne va pas se tenir, un petit peu comme Airbnb, comme un Uber, quoi, tu vois, où les deux peuvent se juger entre guillemets. Voilà, j'aurais même dit ce serait bien peut-être de mettre ça en place, et comme ça permettrait aux gens qui sont en camper et qui sont respectueux comme nous d'avoir accès à ce genre de spot, quoi, hein, parce que évidemment c'est un super réseau, le France Passion, Ouais, donc ça fait partie un petit peu des freins On est un peu les caliméros du voyage nomade. Et malgré tout, vous regrettez quand même le choix de... Ah non, pas du tout. On a des idées plein la tête pour des futurs voyages. Vous allez exploiter jusqu'au le potentiel de cette caravane. Il faut amortir. Les Péripodes, si vous voulez voir d'autres types de caravanes innovantes, vous pouvez cliquer sur cette playlist juste ici. Merci de nous merci avoir à vous. Fait découvrir. C'était très sympa de vous rencontrer. J'en profite pour saluer tous les TFF qui roulent en voiture électrique et qui peut-être un jour vont choisir le même mode de voyage que nous. Un épisode de Périplessis, c'est le temps d'une charge de Tesla. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. À bon voyageur, salut !